monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera un nouveau partenariat avec la boutique Pensumway. J'ai été contactée le 20 juillet et j'ai reçu le 29 juillet, donc hyper rapide. Donc dans cette petite commande, on a trois articles. On a trois articles. Donc on va regarder ça. Alors désolé pour la luminosité, mais on a un temps pourri depuis quelques jours. Donc voilà. Donc là vous avez l'ombre du trépied, mais je peux rien faire. Je ne peux rien faire. Alors on va commencer par ça. Voilà. Alors, désolé pour le bruit. Voilà. Alors, c'est un tapis en silicone. J'avais repéré ça sur leur site. Malheureusement, ils n'avaient plus les autres couleurs. Alors là, la couleur que vous voyez n'est pas la bonne parce que c'est beaucoup plus clair que ça. Voilà. Je suis vraiment désolée pour la luminosité. Je sais pas quoi faire pour que vous ayez. Que je me mette d'un côté ou de l'autre, de toute manière vous avez le reflet. Je ne peux rien faire et là mon PC, mon téléphone a bugué et a fait une mise à jour, je ne sais pas pourquoi. C'est pas grave, voilà. Donc c'est un tapis en silicone, dedans on a des petites comme des petites boîtes. Alors eux sur leur photo ils nous présentent du diamond painting. Alors pour moi personnellement, c'est pas, voilà, pour remettre les perles après, c'est un peu compliqué. Mais pourquoi pas avec l'aquarelle, la peinture. Étant donné que c'est un silicone, ça se nettoie à l'eau très facilement, il n'y a aucun problème. Ma fille fait souvent des perles, ça peut être pas mal aussi. Ici, vous avez le petit support, soit pour mettre le stylet d'épée, soit pour un pinceau, voilà. Donc, vous pouvez mettre plusieurs choses dessus. Moi j'ai trouvé l'idée sympa étant donné qu'en plus là on leur a refait leur bureau et que du coup ma deuxième fille a son petit coin à elle aussi sur le bureau. Il leur fallait, pardon, problème de voix, il leur fallait un dessous de main, donc je pense que j'en reprendrai un prochainement pour bien protéger le bureau. Alors, cet article, il était au prix de 10,99 $. Voilà. Et il fait 60 par 40 cm. Alors, on va vérifier ça ensemble. Si je retrouve mon mètre. Alors, là où il y a un peu mon... Ouais, il y a pile 40. Pile 40 là et un peu moins de 60 ici. Il y a 59,7. Voilà. Donc, bon, c'est pas dramatique. Il manque quelques centimètres. Voilà. Donc, nous, on va le tester. On va réaménager le bureau tout à l'heure. Donc, on va tester. Et puis, je vous en reparlerai prochainement hein, dans une vidéo. Puis je vous dirai ce que j'en pense. Voilà. En tout cas, il a l'air assez sympa. Alors, il est fin comme silicone, mais je pense que ça peut être pas mal. Hop. Ensuite, hop, on va rester dans les accessoires. Alors. Donc, c'est un petit cover Minda. Regardez. Il n'est pas trop choupi. Alors, il me semble que j'avais pris le petit panda avec le donuts et pas celui-ci. Mais je suis pas sûre. Il faudra que je revérifie ça. C'est pas grave, je prendrai l'autre la prochaine fois. Hop, donc. Ouf. Derrière, vous avez le petit aimant. Donc ça s'aimante pas mal parce que, voilà, j'ai galéré un peu à l'enlever. Voilà, donc là, vous avez l'image et par-dessus, il me semble... Attendez, j'ai les ongles tout sales.
force de brasser de la poussière toute la journée. Ah, j'arrive pas à enlever le film. Il faut pas venir. Là, il est réussi. Voilà, donc dessus, vous avez un film protecteur. Voilà. Donc ça donne ça. Il est trop chou. Voilà. Donc un petit pantinou. Alors cet article-là, il était au prix de 1,99$. Voilà. Ensuite, le dernier article, donc c'est celui-ci. C'est un petit ourson qui lit à son doudou, je pense. Ça fait un moment que je veux celui-là, mais à chaque fois il est en rupture. Donc là, j'ai sauté sur l'occasion. Voilà. C'est des tout petits projets. Hop. Alors, du coup, là, on a le patron qui est ici. Voilà. Ma feuille, elle a un peu morflé parce qu'ils avaient plié l'emballage, en fait. Ils ont pris un emballage, mais beaucoup trop petit pour... Donc, bon, tant pis, c'est pas grave. Hop. Donc là, vous avez le petit ours. Donc, niveau impression, bah, toujours pareil, c'est du Joy Sunday, donc une bonne qualité. Ensuite, donc, on a la toile. Donc, un assez petit projet. Alors là, c'est vrai qu'on a du mal à se rendre compte. On a bien l'ours. On voit là le lapin avec ses oreilles. On voit le livre. Voilà. Alors, au niveau de l'impression, pas de souci, hormis la légende qui est un peu petite. Mais ça, c'est le problème à chaque fois sur les petits projets. Malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. Voilà. Donc, j'aime bien les petits projets. C'est sympa, ça s'emmène partout. Donc c'est pour ça que j'essaye de prendre un peu plus de petits projets avec les partenaires. Comme ça au moins, j'ai ce qu'il faut. Donc là, alors là, pour les couleurs, à mon avis, bonne chance pour essayer de trouver. Donc là, on a un rosé. Là, on a des gris. On a du noir. On a du bleu. On a encore du gris. On a des teintes de marron pour l'ours. On a du bleu comme ceci. Ensuite, on a des teintes de sable. Là, on a un gris très très pâle. Un beige. Hop. Et les dernières couleurs. Oh, je vais y arriver. Hein. Donc, on a du gris, du bleu, du rosé, de l'orange. D'autres teintes de bleu un peu, qui tirent un peu sur le vert. Et on a du blanc. Voilà. Voilà pour les couleurs. Ah, on n'avait même pas regardé combien il y avait de couleurs. Alors, on a 23 couleurs. On a de la demi-croix pour le bas. On a du point de nœud pour son œil, je pense. Et on a du backstitch. On a 4 couleurs de backstitch. Regardez, mais je pense que le point de nœud, ouais, le point de nœud, il est pour son œil. Là. Il est ici. Voilà, donc il y a un point de nœud à faire, ça va, c'est pas dramatique. Pardon, je viens de vous faire bouger, déjà que la qualité est pourrite, mais en plus je vous fais bouger. Voilà. Alors, ce petit article était au prix de 2,99$. Voilà. Donc, des petits prix. J'espère vraiment que le tapis va être top, que je pense en prendre un autre pour une autre de mes filles. Histoire que voilà, on puisse protéger le bureau correctement parce que je sens mal. Mais il a l'air sympa. Donc j'ai hâte de voir. Je l'ai vu que chez Pen Somewhere. Je ne l'ai pas trouvé ailleurs. Alors si jamais vous le trouvez ailleurs, n'hésitez pas à me le dire. Parce que j'aurais aimé des teintes un peu plus pastel. Puisque les filles ont décidé que leur chambre était en pastel, en couleur pastel. Donc forcément, voilà. On préférerait du pastel. Parce qu'au départ moi j'avais pris un rose, un bleu, mais finalement il n'y a plus ni rose ni bleu, il n'y a plus que le vert. Donc voilà, j'ai pas pensé à aller regarder sur AliExpress, faudrait que j'aille voir. Donc bah moi je remercie Pen Somewhere pour leur confiance, leur rapidité, et j'espère que notre collaboration va pouvoir continuer. Et bah moi sur ce je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.